Je suis Jean-Fidèle Nzengin Zamba, je suis metteur en scène, je suis le responsable de l'atelier théâtre japonais, mais c'est un travail qui m'a été confié par la direction du théâtre national. Et nous avions présenté ce soir Ibingli Bingli, l'enfant qui roule roule, une pièce écrite par Jean-Clément Dukaga. Et c'est une pièce qui parle de la conservation de la nature, de la vie en société et le respect des autres. Et cette pièce se déroule dans un royaume, le royaume de Twamp, où le Nganga et le roi se mettent à vouloir gérer le village, mais avec de temps en temps des soucis d'incompatibilité. Et nous sommes heureux d'avoir participé à coup de théâtre, parce que c'est la première sortie de ce spectacle. Et tout le travail a été fait à l'espace culturel d'Ibengounou, à Issassa. Et nous remercions vraiment l'Institut français, le coup de théâtre, qui nous a donné cette opportunité de nous exprimer ce soir. Tu es au courant des griefs du Nganga. D'abord, ta case qu'on n'arrive pas à ouvrir. Ensuite, des vivres qui te viennent, on ne sait tout. En tout cas, pas de la forêt. Qu'est-ce que tu as à répondre? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as à répondre? Elle a une réponse, ma fille. Il faut la tuer. Elle porte le malheur, c'est évident. Nous aurons dû le faire. Il y a 12 grandes saisons de plus. Quand ses parents sont morts et qu'elle était une enfant. Oublies-tu la loi de toi, Nganga? Quiconque touchera à un seul cheveu d'un enfant sera foudroyé par la colère de Dieu. Alors, Ngem, ta défense, peut-on l'entendre? Jamais tu dois me dire. Quel homme ici serait assez fou pour prêter sa voix à Ngem? Moi, Ibingi Ibingi. Moi, Ibingi Ibingi. Ma soeur, vous, ici. Mais comment? Ma soeur a été mes gens pour venir. Ici, je suis sa bouche pour parler. Les vides de guerre viennent de sa plantation faite dans la savane. C'est tout. Impossible. Garde, es-tu le seigneur du lait? C'est une incapable. Capable seulement d'attirer le malheur pour nous, mon gars. C'est la vérité et je suis en partie pris. Tout le monde le sait. Toi, on sait que nos
notre famille n'a jamais voulu de Nakoto Nandini comme époux de guerre. Quoi? Et ils nous ont appris que, depuis ce jour, la vie de notre famille n'a jamais plus été comme avant. Bonsoir, je me nomme Wonongema Aimé Olivier, membre de la troupe de théâtre national du théâtre et fonctionnaire à la direction nationale du ministère de la culture. Nous avons présenté ce soir la pièce de théâtre écrite par M. Dukaga, nommée Ibingili Bingili. Je jouais le rôle de l'infirme, l'enfant qui n'a ni bras ni jambes. Et dans cette pièce, on parle un peu de la souffrance de cet enfant qui est orphelin de père et de mère avec sa sœur Ngeb. Nous avions été maltraités. Et à la fin, la pièce de théâtre montre que les ogres me donnent leurs pieds et leurs jambes, donc je retrouve mes capacités motrices. En parlant de public, nous avons apprécié car ce sont des choses que nous avons besoin, c'est-à-dire avoir des spectateurs. Le théâtre est un art où nous pouvons vivre avec ça, mais nous voulons des sponsors et que les salles soient le plus souvent pleines afin de nous encourager à montrer les talents que nous avons dans le domaine du théâtre. Bonsoir, je suis Hervé Nzeng, je suis comédien donc je viens de jouer dans le spectacle, la pièce Ibingli Bingli. J'ai incarné le rôle du roi, le roi Mangal. Alors le roi Mangal qui assure l'exécutif comme tous les rois, et il était en conflit, il y avait donc un antagonisme entre le roi Mangal et Nakoto Nandindi, qui est le gardien des coutumes et traditions, donc le Nganga. Et donc, si on doit retranscrire la situation sur le plan moderne, c'est ce conflit qu'on a toujours entre l'exécutif et la religion, donc le pouvoir religieux et le pouvoir exécutif. Donc, comme moi j'aime à le dire, aucun rôle n'est facile à incarner, et donc pour atteindre le personnage, il faut observer, il faut voir comment les gens se comportent, voilà, il faut observer la société pour mieux atteindre le personnage. Donc c'était un plaisir pour moi d'incarner ce rôle, mais surtout de retrouver la ferveur populaire, parce que vous savez que nous sortons des restrictions, hein. Nous sortons des restrictions, et donc la Covid nous a fait pas mal. Vraiment, ça nous a fait un grand mal. Donc, aujourd'hui, on est content de revenir jouer devant le public, puisqu'on était déjà exposé, on était déjà habitué à des spectacles en distanciel. Voilà, donc, aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous. On remercie l'Institut français qui nous a accueillis. On remercie le public qui est venu là. Donc, merci à vous et prochainement. Me voici avec mes bras et mes jambes. Hein?
Bien, mais je marche. Me voici avec les bras et les jambes. Bien, mais. Les bras! C'est là! C'est là! C'est là!